I have felt stressed in my life before. Yeah, I feel stressed. I have felt stressed before. Yes, I have stress. Yes, I am very stressed. I have felt stressed in my life. I feel stressed constantly. Yes, I have felt very stressed in my life. Teachers have stress too. Le stress est un problème sérieux et répandu parmi les adolescents. Il est estimé qu'environ 10% des adolescents souffrent de stress ou de troubles d'anxiété dans leur vie. Les 5 causes principales de stress dans la vie des adolescents sont l'école, les parents, les problèmes avec amis, les relations romantiques et l'usage des drogues dans leur quartier. Selon une étude faite en 2009 par l'Association psychologique américaine, 25% des garçons et 19% des filles évitent ou refusent de s'occuper de leur stress. Les adolescents ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin, et il y a un manque de bonne communication entre beaucoup des adolescents et leurs parents. Par exemple, 45% des adolescents a dit que leur niveau de stress a augmenté entre 2008 et 2009. Mais seulement 28% des parents pensaient que le stress éprouvé par leurs enfants a augmenté. Pour réduire le stress dans les vies des adolescents, il est important qu'ils aient le soutien de leurs parents parce que le stress peut causer des problèmes de santé très sérieux. Les symptômes de stress à court terme incluent les douleurs, la nausée, les difficultés à se concentrer, un manque d'appétit et l'insomnie. Mais le stress chronique peut causer des problèmes plus sévères, comme les maladies de cœur, la dépression, les problèmes digestifs, l'obésité, les maladies auto-immunes et plusieurs autres problèmes sévères. Oui, je pense que tout le monde éprouve du stress jusqu'à un certain degré, en particulier l'année passée, qui était la première année de la programme BI. C'était assez stressant pour moi. L'école est absolument une des plus grandes sources du stress dans ma vie, en particulier la programme rigoureuse de BI. Mais aussi quand je faisais de l'athlétisme, c'était une grande source du stress dans ma vie parce qu'il a occupé tellement mon temps. Et je suppose que passer du temps avec ma famille et mes amis me stresse parce que je dois gérer mon temps pour ça aussi. En dehors de l'école, mes parents, mes activités parascolaires, ma famille est incroyablement la plus grande source de stress pour moi maintenant. Les filles, par exemple, ça me stresse de temps en temps. Et je dois dire que le travail scolaire me stresse. Et pour moi, il est stressant et difficile de faire des amis. Oui, absolument. Je ne pense pas que je pourrais gérer mon stress toute seule. En particulier parce que c'est si difficile de faire toute seule. Donc oui, chaque fois que j'ai besoin d'aide, je simplement parle à mes professeurs et ils sont très disposés à m'aider pendant le déjeuner ou après l'école, que j'en ai besoin ou non. Et aussi mes amis. Personne ne peut travailler tout le temps, donc je suppose que je passe du temps avec mes amis quand je me sens beaucoup trop stressée. Mes professeurs rajoutent au stress en tant qu'ils me donnent du travail, quel qu'il se passe dans la vie des élèves ou dans d'autres classes. Ils n'aident pas à soulager le stress et mes parents sont aussi une source de stress parce qu'ils me poussent à faire plus tout le temps. Sans aucun doute,
J'ai vraiment des personnes dans ma vie qui m'aident avec le stress. J'ai en groupe des amis très unis avec qui j'ai pu parler de n'importe quoi. J'ai une bonne famille qui m'appuie. Et tout ça, je crois, m'aidera à lutter contre le stress. Quand je vois des élèves avec des grands changements de comportement, j'essaye de leur parler de ce qu'il se passe et quelquefois, les professeurs peuvent donner aux élèves un peu de soulagement en leur offrant de prendre des interrogations une autre fois. Les professeurs ne peuvent pas toujours faire cela, mais il est important de donner un peu de soulagement aux élèves très stressés. Dormir. J'aime dormir parce que c'est un moyen excellent de me débarrasser du stress. Au moment où on arrive hors EM et on se trouve dans des rêves, c'est une expérience tellement incroyable. Et en dehors de ça, je me déchange bien avec des exercices. Je joue de la musique, je suis une pianiste, alors je joue au piano quand je m'ennuie, ou j'écoute beaucoup de musique. Et je parle avec mes amis. Mais j'aime aussi passer du temps avec ma sœur, Nunu bien en usant ensemble quand je suis stressée, ou bien parler avec mes amis et essentiellement relaxer. Je recommande que les élèves réexaminent leur charge de travail, réexaminent leurs activités en dehors de l'école aussi. Il y a des fois dans le trimestre quand on a plus de stress que d'autres fois. Il commence sans beaucoup de stress et le stress s'accumule vers le milieu du trimestre. Après, le stress diminue un peu et il y en a beaucoup vers la fin. Alors avoir des activités parascolaires où on est obligé de faire quelque chose après l'école pendant ses heures de pointe peut ajouter du stress à une vie déjà stressante. Il est très important d'examiner ses activités et de définir l'ordre de ses priorités. La santé des élèves est le plus grand problème, alors si on ne dort pas assez, si on tombe malade, si on se sent déprimé ou angoissant, on devrait réexaminer sa vie et ses activités, être honnête avec soi-même et se dire ce qu'on devrait faire et ce qu'on ne devrait pas faire. Sans aucune doute, il y a des conséquences négatives avec ma bien-être. Quelques jours quand on n'avait pas le suffisant de sommeil, on peut se sentir avec un manque d'énergie. On se trouve avec beaucoup de difficultés en comprenant ce que des personnes disent. Quand je suis stressée, je n'arrive pas à prendre des décisions simples. Le stress a certainement endommagé mon bien-être à quelques moments. Comme l'année passée, avant tous les examens de mai, j'ai complètement fait une dépression nerveuse. C'était vraiment horrible. Mais j'avais l'aide de mes parents et mes amis. Et c'est pas la fin du monde. Il n'est pas permanent, mais absolument, il vous affecte au moment. Nous avons des familles, des enfants, et nous avons une vie privée comme celle des étudiants. Et nous pouvons amener tout ça dans la classe aussi. Alors le professeur a aussi besoin de compréhension des élèves. Il est possible que notre journée n'aille pas bien aussi. Tout ça va dans les deux sens. Et je pense que si les élèves et les professeurs peuvent être attentifs les uns des autres, les expériences de la classe peuvent être très bonnes.